Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi. Avec mes écouteurs, j'étais au téléphone juste avant. Nous sommes samedi depuis avant. Je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. J'ai déjà préparé, je me suis déjà attaché les cheveux. Faudrait que je me les rattache un coup, mais je me suis déjà attaché. Je me suis déjà attaché les cheveux pour pouvoir attaquer. Je suis essoufflée, désolée, je vais monter les escaliers. Pour pouvoir nettoyer le matelas, le deuxième matelas dans la chambre des garçons. J'ai déjà nettoyé donc celui-ci la dernière fois, je vous l'ai montré en vlog. Donc il est bien sec, c'est bon, donc j'ai pu remettre tous les draps et tout, enfin voilà, tout est propre. Et là j'attaque le deuxième matelas, donc avec la machine qui me permet de nettoyer les matelas, les rideaux, les tapis, les machins que je vous ai montré. Donc la dernière fois je vais pas reparler de ça, mais voilà, ça va me permettre d'enlever les petites taches que voici, voilà, sur tout le matelas. C'est super pratique et j'aimerais bien que la chambre soit impeccable, et le but c'est que ce soit pareil chez les filles. Alors là je commence de ce côté là pour que cette chambre soit terminée une bonne fois pour toutes. Donc je vais pas pouvoir remettre les draps tout de suite parce que forcément il faut que ça sèche, mais dans la journée ça sera sec, y a pas de problème, et comme ça cette chambre aspi serpillière terminée. Là je viens de ranger un bac à linge, j'ai lancé une machine et du coup j'ai pris ce qu'il y avait à ranger, voilà, j'ai tout rangé. Ce qu'il y a dedans c'est des trucs qui vont en bas, donc c'est bon. La chambre de Chloé du coup j'ai commencé à enlever des vêtements qui traînaient par terre, etc. Donc j'ai commencé par cette partie là de la chambre, j'ai remis tout dans sa petite maison de poupée, voilà, j'ai remis en place des trucs, j'ai enlevé tout ce qui traînait dans ce truc qui lui servait de range tout. Il y avait des livres, des jouets, des trucs, des machins. J'ai tout rassemblé ici. Voilà, tout rassemblé ici. J'ai enlevé 2-3 vêtements qui traînaient. J'ai mis les livres que j'ai trouvés. Voilà, le but c'est de m'occuper de toute cette partie là. Voilà, hein, de tout ce qu'il y a par terre. Tout remettre dans les bacs, trier ce qu'il y a dans les bacs, parce qu'il y a beaucoup de tri à faire. Il y a beaucoup de choses à jeter qui sont cassées, qui n'ont rien à faire là. Et au niveau des jouets, triés avec ceux qu'elle n'utilise plus ou qu'elle utilise, et puis ceux qu'elle n'utilise plus et qui sont encore en bon état, je donne à des associations. Voilà. Pareil, le lit. Hop, je vais tout enlever. Je vais changer les draps. Je regarde, il me semble pas que son matelas ait des taches ou quoi que ce soit. Donc je pense pas que ça sera nécessaire de le nettoyer. S'il y a une tache, je m'en occupe. Et comme ça, sa chambre, c'est fait. Au niveau du tapis aussi, il y a des petites taches à enlever. Voilà, donc je vais prendre le même appareil pour ce tapis, mais je vais d'abord peut-être d'abord aspirer. Ouais, je vais peut-être d'abord aspirer et ensuite nettoyer le tapis, et comme ça cette chambre aspi serpillière et c'est ok. Le but c'est de faire tout l'étage. Moi mes draps je les ai changés il y a quelques jours, donc ça c'est bon. J'ai juste ce sac à ranger, mais ma chambre sinon bon. Voilà, moi il faut que je fasse mon lit. Ouais, allez, faut que je fasse mon lit, mais après ça sera ok. Mon dressing de toute façon il est rangé, c'est pas de problème. J'ai fait avant l'évier, j'ai nettoyé l'évier en fait de la salle de bain. Il faudrait que je nettoie la douche, les WC, et là où ça va me demander le plus de boulot c'est la chambre à Libby. Mon dieu, non mais je vais vous la montrer, je vais vous la montrer. Vous êtes prêts? Ouais, il y a des trucs par terre, une poubelle remplie, des vêtements qu'elle s'est dit non, bah je vais pas les ranger. Voilà, une chambre d'ado quoi, hein. Il y en a partout, hein, il y en a absolument partout. C'est, il y a des taches, des trucs, des... Sérieusement, il y en a même au-dessus là-bas. Il y en a même au-dessus. Voilà, donc ça c'est ce qui va me demander le plus de boulot, hein, parce qu'il y a aussi en dessous. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ça je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Je vais déjà m'occuper de la chambre des garçons, hein, enfin terminer. Là ça va me prendre 10 minutes, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Je fais la chambre à Chloé. Après peut-être que j'irai manger, ça serait bien. Et après, je verrai, parce que déjà j'ai mis mon vlog en ligne, donc ça c'est bon, ça c'est fait, je suis à jour là-dessus. J'ai regardé mes commentaires juste avant, ça je suis à jour. Mes réseaux, je suis à jour, mais il faudrait que je fasse une petite photo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de photo, il faudrait que j'en fasse une. Bon, quand t'es toute seule, c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau des photos. Mais voilà, le petit programme de là maintenant tout de suite, c'est ça. Il faudrait que je refasse un coup de aspi serpillière aussi. En fait, je vais faire aspi serpillière partout quoi.
ici, en bas, à gauche, à droite, chez le voisin, chez la voisine, je vais faire partout. Voilà. Tapis nettoyé, tout est rangé, tout est trié, tout ce qui est dedans, c'est des choses qu'elle utilise et c'est trié, elle a même encore de la place, donc ça c'est cool, les robes sont de nouveau à leur juste place. J'ai retiré les draps, donc j'ai pris donc sa couette pour la nettoyer parce qu'il y a des taches dessus, l'oreiller n'y avait pas de taches, le matelas non plus. Donc nickel chrome, donc là-dessus c'est ok, et puis voilà, sa petite chambre est enfin rangée, tout est à sa place, c'est cool. Bonne chose de faite, je suis contente. Bon, depuis avant j'ai attaqué la chambre de Libby. Je vais de surprise en surprise. Bon déjà j'ai enlevé tous ses draps et tout, la couette et tout, je vais tout nettoyer aussi. J'ai ramené le sac poubelle ici présent. Voilà, et petite Libby. Comment vous dire? On s'est bien éclaté sur les bonbons, hein? Voilà, j'ai cru découvrir une grosse planque planquée. Déjà, vous voyez le bureau, ça n'a plus rien à voir. J'ai cru découvrir sa planque secrète, on en a tous eu une. Dans l'un des tiroirs là, une boîte, je vous dirai. La boîte comme ça, remplie d'emballages de bonbons, de chocolat, etc. Donc je vois qu'on se fait bien plaisir. En cachette, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de monter dans les chambres avec. Je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé sa planque déjà. Voilà, moyen. Mais en fait, j'en ai trouvé deux autres. Voilà, remplis. Voilà. Petite discussion qui va avoir lieu, hein, voilà. Là, je suis en train de trier tout ce qu'il y a ici, hein, voilà. J'ai récupéré plein de vêtements aussi, au passage. Je suis pas encore allée en dessous. Je pense découvrir des espèces en voie de disparition qui se planquent sous son lit. À ce stade, je pense qu'on en est là. Là, en fait, si vous voulez, j'ai fait comme ça. Je me suis arrêtée là. Tout ce qui est derrière le rideau, j'ai tout trié. Les caisses et tout. Enfin, elle retrouve du rangement. Pour le coup, elle va pouvoir ranger, pas de soucis. Parce que je vais la laisser ranger aussi un petit peu. Oui. Mademoiselle a 10 ans quand même au mois d'avril. Je pense qu'elle peut ranger ce qui reste. En gros, je l'aurais motivée, hein, en rangeant la moitié de sa chambre. Je m'arrête là. Voilà. C'est à elle de faire toute cette partie-là. Et encore, je suis sympa. Je suis en train de trier tout ce qui n'est plus utile. Petit emballage, des trucs... voilà, qui ne sont pas utiles, je suis en train de reclasser un petit peu comme ça. Mais je vais la laisser faire le reste parce que, mince, pour rester polie, elle a 10 ans. Je pense qu'elle va s'amuser à aller en dessous du lit, c'est pas à moi de faire ça. Elle va enlever tout ce qu'il y a sous le lit, elle va nettoyer, elle va faire sa petite vie. Moi, je m'occupe de son tapis, des draps, des couettes, des machins. Je lui ai fait la moitié de sa chambre quand même, je suis sympa. Et ben, elle fait l'autre. Voilà, j'ai pris la décision, parce que là, c'est vraiment abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. C'est... vraiment, c'est abusé. Et elle l'avoue elle-même, elle dit, oui, je suis...
est bordélique, quoi. Hein, faut le dire. C'est tout. C'est... Il y a des gens comme ça, bah elle, c'est ça. Donc on a beau dire tu ranges, bah deux jours après, c'est de nouveau pareil, quoi. C'est... Bref, donc là, je vais nettoyer, en fait, je vais faire la poussière tout là. Normalement, sa télé est en haut, mais j'ai pas les vis qu'il faut. J'ai pas de vis, en fait. Hein. Quand le papa a pris tous les outils, les trucs, les machins, il embarquait toutes les vis. Et bah du coup, j'ai pas les vis pour remettre sa télé, donc j'ai pris un meuble que j'ai trouvé, je l'ai posé là. Voilà, pour la petite, c'est pas deux écrans de PC, c'est ce que j'essaye de dire. Et même toute seule, en fait, je peux pas. Je peux pas la remettre, la télé. Je peux pas la tenir en même temps vissée, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée, c'est pas grave. La télé, elle est là, voilà. C'est au moins la télé dans sa chambre. Voilà, donc par contre, je lui ai offert un autre rangement parce que j'ai pris le coffre qu'il y avait dans la chambre à Chloé pour le lui donner parce que Chloé n'en a pas l'utilité, elle a largement assez de rangement et il est tout le temps vide. Donc je me dis, elle aura pas l'excuse de me dire j'ai pas de quoi ranger parce que je lui offre un coffre. Voilà, du coup, bah, elle va le faire elle. Là, je vais passer un bon coup d'aspi. Je vais nettoyer le tapis avec la machine. Et le reste, elle s'en occupe. Moi, je lave ses draps et tout. J'ai calé le matelas, il est nickel. L'oreiller aussi. Donc, je vais faire la couette et les draps. Et puis, voilà. Voilà, voilà. J'ai tout descendu. J'ai pas arrêté les allers-retours et tout. Avec les escaliers, à descendre au sous-sol aussi. Parce que j'ai tout emmené dans la buanderie. J'ai lancé une grosse machine, là. Avec tous les draps. Défi. Je peux évidemment pas tout lancer en même temps. Donc après, dès que ça sera fini, je lancerai une... Je sais pas si je peux mettre deux couettes, je pense pas. Une couette. Puis demain, j'aurai terminé de tout laver. Donc ça, c'est fait, c'est bon. Ouais, la petite pause avec un macchiato. Parce que je sens que... J'étais hors de... Déjà, c'était pas hier, c'était avant-hier. Quand j'avais bougé vraiment comme ça, j'étais mon corps qui dit « Oh !» On va se calmer, je me suis pris deux petits biscuits là pour essayer de me donner un coup de sucre là, mais... Puis ça, il y a du sucre dedans. En fait, il y a du caramel liquide, c'est un petit macchiato. Et voilà, petite frère que je vous ai pas dit hier, parce que j'ai pas vlogué. Il y a Marinette, donc une des trois poules, la noire, qui avait décidé de se faire la malle chez la voisine. Sauf que chez la voisine... Eh bien, il y a des espèces de barreaux hauts, voilà, que je peux pas aller chez elle, hein, clairement, je peux pas aller la récupérer. Et en plus, il y avait personne, donc je la voyais en train de marcher, c'est en train de gratter le sol, comme ça. En fait, je suis arrivée dans le poulailler, je vois qu'il manque une poule. Je dis, ok, je vais voir dans le poulailler, parce que moi, quand je dis le poulailler, c'est l'enclos, mais je vais voir dans le poulailler, peut-être qu'elle était en train de couver. Et non, il n'y avait pas de Marinette, je me suis dit, Dieu, mais elle est où ? Déjà il y a quelques jours en fait elle s'était fait la malle dans le jardin, je comprenais pas pourquoi, j'ai cru qu'elle s'était envolée au-dessus. Et là bah je la cherche, puis j'entends du bruit, puis Lou qui capte. Et je regarde, elle est tranquille en train de se balader dans le jardin de la voisine. Puis je regarde, en fait il y a tous les volets fermés, pas de voiture et tout. Alors j'étais voir, il y avait personne. Je dis mais comment je la récupère, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer. De toute façon je vais pas rentrer chez les gens, mais je peux vraiment pas rentrer, il y a un portail énorme et tout. Je dis mais comment je vais faire, je peux pas... Bah, j'ai dû laisser attendre qu'elle revienne toute seule en fait, hein, parce que je pouvais pas la récupérer. Et puis je me suis inquiétée, quoi. Je me suis dit la nuit et tout, je vais faire comment? Je pouvais rien faire, mais vraiment impuissante. Et ce matin là, je suis allée voir, elle était devant le poulailler à attendre en fait, devant l'enclos, sans rentrer dedans. Alors du coup je l'ai prise, je l'ai mise dans le truc, et je me suis rendu compte qu'en fait le grillage était pété à un endroit. Je pense que c'est Lou qui a dû taper dedans en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai essayé de le remettre comme je pouvais, mais voilà, bon, je me suis dit punaise, il y a les trois qui commencent à se faire la malle comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est bon, voilà, Marinette est de nouveau dans l'enclos, je leur ai mis des petites graines et tout avant, elle était toute contente. Et puis voilà, moi une bonne chose de faite, les champs, j'ai vidé toutes les poubelles aussi au passage, le tapis alibi c'est ok, et voilà, c'est une bonne chose de faite, je suis contente. Le sèche-linge en bas continue d'inonder. Je suis super contente aussi. Sauf que... donc pour répondre, j'ai regardé tous les filtres, ils sont tout propres, c'est pas ça le problème. J'ai regardé derrière parce que c'est un truc à condensation en fait, c'est avec un bac. C'est pas avec une évacuation d'eau, donc c'est pas ça qui fait que ça inonde. Ça inonde d'en dessous et pas derrière.
Et du coup, j'ai contacté pour la garantie. Ils m'ont répondu, alors attendez, que vu ce qui se passe en ce moment, ils ne règlent que les problèmes dont c'est une nécessité. Type frigo, lave-linge et je sais plus quoi. Mais en gros, les lave-vaisselle et les sèche-linges, t'attendras à la fin ma cocotte. Donc là, tous les jours, j'ai mon sous-sol qui inonde. Alors j'ai essayé de mettre des linges et tout, c'est des serviettes devant pour caler devant, ils sont trempés. Hein. Tu descends en bas, il y a de l'eau partout. Enfin, voilà, donc j'ai pas le choix, moi je lance mes... À part les draps, je vais éviter de les lancer, je vais les mettre... je vais les pendre. Mais voilà, je suis super contente. Je peux pas régler le problème tout de suite quoi. Je suis un petit peu embêtée, mais en même temps, cette semaine, bon, j'ai lavé tous les draps, tous les trucs, les machins. C'est ça qui m'a fait faire des machines. En soi, quand je suis toute seule, j'en lance pas tant que ça. Ce qui m'a fait vraiment lancer, c'est tous les vêtements qui traînaient des enfants et tout. Mais la semaine prochaine, il y a les enfants. Donc là, on va moins rigoler. Tu vois, il y a au moins une machine par jour sur à 100%, voire deux. Voilà, je vais m'amuser à mettre des linges et dès qu'ils sont trempés, je les lave, j'en remets d'autres, je les lave, j'en remets jusqu'à la fin du confinement. Voilà, je suis super contente. Sinon, Libby, j'ai fait un petit tour dans ta chambre. Ça va les bonbons? C'était des anniversaires. Non, non. J'ai plein de anniversaires. Non. J'ai trouvé trois trucs remplis de bonbons, de Smarties, de 40 barres, de trucs, de machin. Trois boîtes remplies, Libby, de sachets, de trucs planqués. Et on a donc plein d'anniversaires, je te dis. Il y avait plein d'anniversaires. Il y a plein de bonbons chez nous aussi, surtout. Ouais. Tu pourrais dire la vérité à maman, hein? C'est quoi la vérité? Bon, j'avoue, je suis allée shipper quelques bonbons. Voilà! C'est bien de dire la vérité. Sinon, il y a des bonbons, ça appartient à des anniversaires. Ah, mais je pense bien qu'il y a des bonbons, oui, mais les trois quarts, c'est de la maison, Libby. Ouais, t'as bien planqué, hein? Bon, c'est bon, j'ai terminé mon appel avec Libby. Je me suis dit que ça serait quand même drôle de filmer. Parce qu'elle pourrait le voir plus tard. Bah, ça va pas, non? Mais les cacahuètes qui m'engueulent. Oh! Elle me fait... Qu'est-ce qu'il y a? T'as à boire, t'as à manger, tout va bien. Hier, t'as eu de la pâtée. On va pas faire ça tous les jours. C'est pas tous les jours, la pâtée. Ah non, je te donne pas de pâtée, là. Elle me regarde, elle fait... T'es en mode... T'es trop bien, vas-y, donne-moi. Non! Ce soir au menu, des lasagnes, chèvre, épinards. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas fait. Et c'est pratique, tu mets au four, c'est bon, c'est fait et c'est très bon. Donc voilà. Ensuite, je vais... Mais tu continues? Non mais... Regardez sa tête. Oh, tu continues là? On est d'accord, tu continues? J'ai dit non. J'ai dit non. Donc après, je disais, je vais aller répondre à mes petits mails. Je montrerai ce vlog demain matin. Voilà, comme elle le dit si bien. Hein. Mais t'as décidé de pas me laisser filmer en fait. Je te donnerai un bonbon après, va là-bas. C'est comme les enfants, t'es mais va là-bas, je te donne un bonbon. Je vais me poser sur le canapé devant la télé, je vais répondre à mes mails. J'ai dit la dernière fois que je faisais mes ongles, je les ai toujours pas fait. Du coup, je vais faire ça aussi. Et continue, voilà. Je sais très bien ce qu'elle veut. Elle veut de la pâtée. Elle fait ça, elle harcèle jusqu'à qu'elle en ait. Je vous jure, ça peut durer toute la soirée. T'en as eu hier. Je t'ai donné de la pâtée hier. Pas tous les jours. Tu sais, je lui parle comme si elle comprenait ce que je disais, tu sais. Pas tous les jours. Hey! Je suis du coup
Depuis avant de voir la télé, j'ai enlevé le gel. Ouais, mais j'ai pas fait la construction ni la couleur. Ça, je le ferai demain. Parce que je n'ai absolument pas envie. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il est juste 1h28 du matin. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Je suis accompagnée. Elle me tient chaud depuis avant. C'est... Voilà, à la base, c'est Cacahuète qui était là et elle l'a viré. Tu sais, j'ai montré en story ça, donc c'était plutôt drôle. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas. Il y a des scènes qu'il n'y a pas dans les vlogs. Bon, bah, c'est cool, comme ça au moins j'ai enlevé la couleur. Je ferai la suite demain, histoire que mes ongles soient tranquilles pour 3 bonnes semaines. Voilà. Donc ça c'est cool. Ouais, j'en ai genre 3 à refaire une capsule ou au chablon selon l'humeur. Mais au moins voilà, le limage est fait, ça c'est bon. Donc ça c'est cool. Bon, je vais ranger tout ça. Lou, il va falloir que tu te bouges. Je vais me déplacer. Elle a pas l'air de vouloir bouger, hein, c'est... la tête qu'elle fait pour le coup de la pseudo souris, enfin pseudo, je sais pas ce que c'était. J'ai laissé du coup la porte ouverte comme je l'avais dit et j'ai pas eu un seul bruit ici depuis que je suis là, pas un seul. Alors deux solutions: une hallucination collective vu que Lou l'entendait aussi, un truc paranormal, je sais pas, ou une souris qui a eu l'intelligence de foutre le camp aujourd'hui et qui n'est pas revenue. Donc ça c'est cool aussi, ça c'est plutôt bien. Dans tous les cas, ça n'a pas recommencé, c'est tout ce qui compte. Donc bon, à moins qu'elle soit crevée. J'ai un cadavre de souris derrière le canapé, je suis pas au courant. C'est possible aussi, mais bon, pour l'instant... Moi, tant qu'il n'y a plus rien, c'est tout ce qui compte. Oui, oui, je tousse. Elle m'a regardé, l'air de dire, ça va, aidez-moi. Aidez-moi, elle tousse. Tu sais, ça fait vraiment comme dans la rue, si tu te mets à tousser, t'as tout le monde qui regarde comme ça, tu sais, en mode, oh putain, comment je vais me sortir de là, je sais où l'échappatoire, tu sais. Hein? Ça arrive de tousser, tout va bien. Hein? Oh mais regarde comme t'es jolie, oh, ce petit lapin. La tête qu'elle a. Bon, et eh bien écoutez, je pense que je vais vous laisser dès maintenant. De toute façon là je vais monter, je vais me doucher, démaquiller, puis je vais aller au dodo. Voilà, pour me reposer un petit peu. Ah, encore une bonne journée productive aujourd'hui, je suis contente. Je suis contente. Demain je terminerai mes ongles. Il y aura encore des machines à lancer avec tout ce que j'ai mis en bas là. D'ailleurs là avant de monter je vais descendre pour mettre à sécher, pas qu'il y ait un truc qui reste toute la nuit dans la machine. Hein, puis ça a bien inondé en bas, je suis contente, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ouais, c'est pas super cool ça. Allez, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.